Hello guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple, pour le peuple et pas le peuple. Voilà, cette chaîne qui sera toujours plus proche de vous, qui vous partagera toujours des projets émergents, des projets intéressants, qui sera toujours au centre de vos attentes. Sachez qu'ici, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de projets crypto, nous parlons de métaverse, nous parlons d'NFT, nous parlons d'éducation financière, car nous sommes convaincus que c'est l'éducation financière et le savoir qui te feront grandir. Entre-temps, nous avons également un programme de formation taillé sur mesure en fonction de vos besoins. Donc, si l'une de ces thématiques-là t'intéresse, abonne-toi maintenant pour ne rien louper, car tu seras toujours notifié à chaque fois qu'il y aura une nouvelle publication. Bon, c'est de cela qu'il s'agit. Et n'oublie pas que au quotidien, nous faisons comme ça l'analyse technique, le décryptage, voilà, des projets crypto. Donc, que ce soit l'analyse technique ou fondamentale, donc c'est vraiment indispensable pour pouvoir prendre position après avoir toi-même effectué tes propres recherches. Voilà, donc la seule chose à faire pour toi ici, c'est un, de t'abonner, deux, de liker si ça t'a plu, et trois, c'est de partager à la communauté, à ta communauté, voilà, pour permettre que toute personne intelligente ou passionnée de crypto-monnaie ait l'information, car aujourd'hui l'information ni à celui qui ne l'a pas. Qui détient la bonne information détient le pouvoir. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, je vais vous entretenir aujourd'hui sur Baby Doge. Voilà, sur Baby Doge également, je vais vous montrer comment vous devez vérifier vos récompenses que vous recevez. Voilà, que vous recevez. Il faut savoir que Baby Doge octroie des récompenses, voilà, des récompenses qu'on appelle des réflexions. Voilà, et à chaque transaction, vous recevez comme ça des réflexions. Voilà. Donc, les gars, nous allons l'essayer sur deux plateformes, voilà, sur deux plateformes via, nous allons d'abord aller vérifier via, en utilisant le DEX, en allant sur le DEX, sur Trust Wallet, voilà, et nous allons aussi essayer sur les centralized exchange, sur Elbank, voilà, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'ils recevaient des réflexions, voilà. Je vais d'abord commencer par vérifier sur Elbank d'abord, voilà, donc je vais aller sur Elbank directement ici, la page est prête, voilà, voici le smart contract d'Elbank où j'ai des Baby Doge, voilà, je copie le contrat. Voilà, je vais chercher le tracker, je vais chercher le tracker. Moi, je l'avais déjà, tracker Baby Doge, il est déjà là, le tracker Baby Doge est là. Parce que le tracker Baby Doge, on dit ici, suivi des récompenses, entrez l'adresse de portefeuille Baby Doge ci-dessous, voilà, pour commencer, voilà. Donc ici on nous rappelle que l'actualisation de la page entraînera la perte de vos statistiques, voilà, de vos statistiques. Ces données ne seront pas stockées sur notre serveur, voilà, et elles sont récupérées directement sur le réseau en temps réel, voilà. Cet outil est uniquement à des fins éducatives et nous ne garantissons pas l'exactitude des données, voilà. Bon, ne prenez pas cette décision basée sur les données présentes, voilà. Baby Doge ni aucun membre de sa communauté ou de ses membres ne seront responsables de toute utilisation, voilà, mauvaise utilisation ou mauvaise décision. Donc ça, c'est à peu près un disclaimer, voilà, c'est à peu près un disclaimer ici, voilà, c'est un disclaimer. Donc pour ceux qui savent ce que c'est que le disclaimer, voilà, donc je ne veux pas encore répéter cela ici, voilà, c'est un disclaimer, voilà, attention, c'est pas un conseil d'investissement, voilà, un disclaimer. Donc voilà, ce sont des éléments importants. Voilà, je vais coller alors le contrat sur Elbank. Voilà, je vais le lancer. Je vois. Parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'ils recevaient. Voilà. Vous voyez que ici sur Elbank, oui, sur les DEX. Alors, je viens d'avoir comme ça la vérification ici, les gars. Donc, sur les DEX, sur les centralized exchange, je répète encore, il n'y a pas de récompense. Il n'y a pas de récompense. Attendez, je vais encore reprendre cela parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils recevaient des rewards. Les rewards que vous recevez là, ce sont des rewards liés au fait que vous avez donné votre adresse à des tiers qui utilisent pour faire des transactions. C'est pour ça que vous avez des rewards. Voilà. Attends, je vais aller de là tout de suite. J'ai fait une vidéo hier sur ces rewards là. Donc, vous voyez là que vous avez zéro. Vous voyez, il n'y a pas de réflexion sur les DEX.
Il n'y a pas de réflexion sur les centralized exchange, donc les plateformes telles que Getio, telles que Elbank, telles que LAC Token. Non, il n'y a pas de réflexion là-bas, les gars. Voici la preuve vivante ici. Voilà. Après, je vais aller faire une simulation avec Index. Donc, sur les centralized exchange, dans les SEC ici, sur les SEC ici, là, sur les SEC ici, il n'y a pas de réflexion. Vous voyez là, c'est zéro. C'est zéro, il n'y a pas de réflexion. Voilà. Donc, ici, voici les statistiques du jeton actuellement. On a le prix actuel du marché. On a la capitalisation boursière actuellement. On a le volume. Voilà. On a le volume par 24 heures et on a le volume annuel. Voilà, le volume annuel est déjà quand même assez important. Hein. Donc, maintenant, ce que je veux faire ici, ce que vous voyez très très bien ici, voilà, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Voilà. Ici, voici donc la tokenomie alors de Babydash ici. Donc, il y a 5% de réflexion qui sont distribués à chaque holder sur les DEX. Sur les DEX. Parce que je viens ça de vous montrer sur les SEC, il n'y a pas de réflexion sur les SEC. Voilà, il n'y a pas de récompense sur les SEC. Mais par contre, vous pouvez avoir des rewards que la plateforme en question vous octroie. Voilà. Et quand on parle des rewards, je vais vous montrer cela tout de suite. Hein. Quand on parle des rewards avant de continuer, c'est mieux que je termine déjà avec ça. Voici des rewards ici. Voici des récompenses. Alors, ici, il y a deux types. Donc, sur Airbank, il y a deux types de récompenses. Il y a les rewards statiques. Voilà. Et il y a les rewards. Et il y a les. Il y a les. Récompenses utilisateurs. Voilà, récompense utilisateur. Donc, ce sont comme ça les pièces de Baby Doge que je reçois au quotidien. Voilà, donc, depuis le début de ce mois, depuis nous sommes au 40e, ça c'est le 24. Donc, depuis le début de ce mois, j'ai reçu à peu près, j'ai reçu depuis, voici le premier ici, on a le premier ici, on a le premier, on a le 2, le 2, le 3. Hier c'était le 3, aujourd'hui nous sommes au 4. Donc, ça veut dire que depuis le début de ce mois, j'ai reçu comme ça 4 rois. 4 rois statiques. Voilà, ça c'est ce qu'on reçoit. Ce ne sont pas des réflexions. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils recevaient des réflexions. Voilà, parce que moi je sais depuis que les réflexions c'est uniquement sur les DEX. Voilà, maintenant je vais maintenant aller sur Index, copier le lien. Je vais aller maintenant sur Index ici. Je vais aller sur Index ici. Là, je vais aller sur Index ici. Copier le lien maintenant. Voilà, copier le lien, je vais me connecter ici là. Je vais me connecter ici rapidement. Voilà, je suis connecté. Voilà. Babydoge. Voilà, Babydoge. Ça c'est Index. Ça c'est Index ici là. Babydoge. Voilà. Il est où? Babydoge, il est là ici. Il est là ici. Voilà. Il est là ici. Je vais copier le contrat. Vous copiez le contrat ici. Non, c'est pas ça. Je vais copier le smart contrat. Là, je copie le contrat. Ok, ça va. Je copie le contrat à Babydash ici. Là, je reviens. Là, voilà. Je reviens ici. Ça, c'est un sec. Voilà, parce que moi, j'ai plusieurs comptes. J'ai plusieurs comptes, les gars. Voilà. Je lance le suivi. Et demain, le suivi. Vous allez voir ici, là. Alors, on voit ensemble ce compte ici. Voilà. On voit très bien la balance. On voit le prix actuel. Voilà. Vous voyez que tout à l'heure, c'était totalement différent. Voilà. C'était totalement différent. Là, on voit la balance. Mais en même temps, on voit les réflexions que ce compte a déjà gagné. Voilà. Total déjà gagné. Il a gagné environ plus de 4 milliards, plus de 4 milliards. Les récompenses hebdomadaires ici, voilà les récompenses hebdomadaires. Récompense Baby Doge hebdomadaire projetée. Voilà, ça c'est comme ça, c'est le décompte ici. Hein. Maintenant, on dit récompense mensuelle projetée. Voilà, ce sont les récompenses. Voilà, qu'on reçoit tout le mois. Maintenant, on dit total des valeurs gagnées en USDT, 13 dollars. Récompense hebdomadaire, voilà, en dollars. Récompense mensuelle projetée, voilà. Donc voilà dans les informations, voilà. Ici, voilà, lorsque le portefeuille, voilà, la taux économique ici. Voilà. Donc si je veux avoir,
les projections dans les 7 jours, les 7 jours, voilà, voilà l'estimation sur les 7 jours. Si je veux mettre ici 10 jours, 10 jours, voilà, voilà l'estimation des baby doge, voilà, baby doge gagné, voilà ce que je peux gagner en 9 jours par rapport à ce prix. Voilà, donc les gars, je vous ai montré que je vais en l'air de vous confirmer alors que sur les secs, il n'y a pas de récompense, mais sur les DEX, il y a des récompenses. Donc les DEX ici sont les Decentralized Exchange, donc les plateformes telles que Trust Wallet, telles que MetaMask, voilà, c'est voilà les plateformes sur lesquelles vous pourrez faire votre holding. Si vous holdez là-bas, vous allez avoir des récompenses, ça c'est clair. Vous allez avoir des récompenses là-bas si vous holdez. Donc les gars, je viens comme ça de partager cette information avec vous. Baby Doge propose des frais de 5% qui sont redistribués sous forme de récompense aux détenteurs. Voilà, cela signifie que plus la communauté est volumineuse et active, plus vous recevez des pièces de Baby Doge. Voilà, ça c'est clair. Voilà la répartition. Donc rien qu'en récompense, il a gagné comme ça 4 milliards de pièces. Rien qu'en récompense, 4 milliards de pièces. Voilà. Imaginez-vous d'ici quelques années, d'ici 2 ou 3 ans, la pièce est à 1 dollar. Imaginez-vous. Voilà, donc les gars, c'était juste pour partager cette information avec vous. Donc je vais encore revenir sur la page officielle. Ça c'était voilà, voilà. Donc les gars, ici il est vraiment question de vous montrer de faire cette différence là. Donc il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de réflexion sur les centralized exchange. Les réflexions sont uniquement octroyées sur les DEX. Donc les gars, vous devez retenir cela une fois pour toutes aujourd'hui. Voilà, donc je vous ai montré la différence. Voilà, je vous ai montré la différence. Voilà, vous avez vu. Voilà, donc essayez vous-même de faire aussi votre simulation pour voir si ce que j'ai dit est vraiment avéré. Voilà, mais je suis sûr que c'est ça. Parce que j'ai essayé de comparer les deux adresses. Une adresse venant d'un DEX et une adresse venant d'un SEC. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, ne vous fiez pas à ce montant, parce que moi, j'ai un investisseur a toujours plus de comptes. Dans le sens, le compte qui me permet juste de faire des vidéos. Voilà, parce qu'on ne va pas présenter tous ces comptes en ligne. Voilà, donc les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Donc, si vous avez aimé, partagez la vidéo, likez-la à l'échelle internationale afin que toute personne puisse être au courant. Voilà, toute personne puisse être informée car la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux hommes entreprenants. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit, partagez cette vidéo, likez-la. Je veux beaucoup de likes parce que je viens comme ça de vous partager une information importante. Voilà, donc, les gars, suivez-nous. Lorsque je l'ai dit, retournez de l'autre côté. Bye bye.